Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et on remarquera les deux tours en direction du roi bien évidemment avec le fou sur la diagonale ouverte, la grande diagonale ouverte. Attention quand même évidemment à cette attaque du fou ici sur la dame blanche et le roi, hein, donc une enfilade pour l'instant. Mais on va réussir normalement à contrer cette attaque et peut-être même à faire mieux. Donc ici au niveau de la protection du roi, bon ici il y a quand même la dame évidemment qui est attaquée avec le roi derrière. Mais le roi noir semble plus en danger, il y a plus de pièces en direction du roi. il y a quand même quelques pièces ici hein, avec la tour et la dame qui viennent attaquer le roi blanc. Mais il y a une protection quand même qui est intéressante. Et dans ces positions-là, donc on va rechercher à nouveau les coups forcés, bien sûr. La dame est attaquée, bien sûr, il y a une menace, mais il y a des possibilités d'échec. Il y a trois échecs dans cette position. Donc il y a l'échec avec le fou, il y a l'échec avec la tour, et il y a l'échec avec la dame. Donc il faut analyser les trois possibilités. Avec bon, le fou, on donnerait le moins de matériel. Alors, c'est pas inintéressant, hein, le fou qui vient ici en G8. Parce que si le roi prend, à ce moment-là, on pourrait prendre le fou parce que le pion serait cloué. Le problème, c'est qu'il peut prendre, évidemment, avec la tour. Et après, on pourrait quand même prendre le fou avec la dame. Parce que s'il reprend du roi, il y a toujours cette menace, ce mat des escaliers hein, avec les deux tours, mais il pourrait prendre du pion et après on pourrait récupérer la tour, menacer mat, et je pense qu'on n'aurait pas mieux que l'échec perpétuel. Donc regardons ça. Donc s'il prend du roi, l'intérêt c'est que le pion est cloué, bien sûr on peut prendre le fou et après il y a une menace de mat qui semble très difficile, apparaît pour les noirs, parable mais compliqué. Et s'il prend la tour, effectivement, on pourrait éventuellement prendre ce fou. Dans l'idée, s'il prend avec le roi, le mat des escaliers avec les deux tours. Et s'il prend avec le pion, on prend sa tour et on menace mat. Sauf qu'il peut parer le mat en poussant le pion. Et il s'enfuit. Hein. Il s'enfuit ici. Et là, on n'aura pas d'autre possibilité que faire un échec perpétuel. Hein, donc faire une poursuite de... sur le roi, on peut bouger la tour pour menacer le mat des escaliers, mais il va revenir à nouveau avec son roi et protéger. On remarque hein, les pièces noires quand même ici, la tour et la dame, qui sont quand même bien, bien de l'autre côté de l'échiquier, hein, et bien hors jeu par rapport à la protection du roi. Ils servent pas à grand chose, hein, il n'y a pas vraiment d'attaque sur le roi blanc quand même. Hein. Tout est bien protégé et la tour et la dame ne reviennent jamais en défense. Donc c'est pour ça qu'au premier coup, finalement, ce coup fou en G8 n'est pas forcément très bon. Le coup de tour qui prend le pion, c'est pas forcément mieux non plus parce qu'il y a le fou qui reprend. Et derrière, on n'a rien de spécial. Hein. Là, la dame blanche ne peut pas intervenir pour faire échec. Hein. Ça aurait pu être le cas hein, si la dame pouvait venir ici. Mais il y a le pion qui défend, évidemment. Donc là, c'est pas possible. Et donc, le dernier coup qui nous reste... Il y a des chances que ce soit le bon, on verra. Donc la dame qui prend le fou, on a bien compris qu'il ne peut pas prendre avec le roi à cause du mat avec la tour en H4, c'est le mat des escaliers. Il va être obligé de prendre avec le pion. On va faire échec avec la tour en G7. Le roi va être obligé du coup d'aller en H8. Et là, comment on va faire pour continuer l'attaque? Et créer une menace de mat imparable. Vous avez peut-être vu le coup, évidemment. Donc la dame qui prend le fou en H6. S'il prend du roi, évidemment, il est mat avec la tour en H4. Et s'il prend du pion, on va mettre la tour en G7. Le roi vient en H8. Et là, maintenant, menace de mat imparable. Et c'est ça le coup très important, évidemment, qu'il faut trouver, bien évidemment. Alors on va pas mettre la tour en G6, hein, parce qu'il va revenir avec le roi en H7,
hein, pour parer la menace de mat. Et puis là, tout ce qu'on peut faire, bah, c'est revenir avec la tour. Donc c'est pas très intéressant. Ça fait bon, c'est une répétition de position. Après, on peut répéter deux fois, hein, c'est pas grave. Encore une fois, on peut au bout de trois fois, l'adversaire peut demander la nulle, mais deux fois, ça va encore. Et par contre, ici, il faudra évidemment trouver le bon coup, et c'est le coup de fou en G8 pour menacer le mat en H7. Et là, c'est imparable. Les noirs ne peuvent pas parer la menace de mat en H7, donc ils ne peuvent pas contrôler cette case. Tout ce qu'ils peuvent faire, bon, ils peuvent faire un échec pour retarder, mais ça sert à rien, hein. Si la dame prend le pion, ben, on prend sa dame. Si la dame fait échec, on prend sa dame aussi. Après, il peut faire plusieurs échecs de consolation, mais après, il se fait mater. Et s'il prend le fou pour éviter la protection sur H7, le problème, c'est qu'il est mat avec les deux tours, puisqu'il n'a pas eu le temps d'avancer le pion, comme tout à l'heure, pour parer la menace de mat. Donc, petite combinaison ici avec la destruction de la défense et avec ce joli mat derrière, avec l'aide du fou qui arrive pour faire le mat des escaliers. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.